Nous devons aller de l'avant. Amen. Nous devons continuer notre mission. Nous avons une école aujourd'hui avec le Père Céleste, avec les enfants. Merci Seigneur, car tu es Dieu, tu es juste. Nous te disons merci. Merci Papa pour la parole. Nous laissons cette parole à tes fesses. Merci car ta parole nous dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu et la parole s'est faite chair. C'est toi Christ et j'ai dit que nous voulons écouter cet après-midi. Parle-nous Seigneur, dispose nos cœurs parce que tu es Dieu. Que je m'efface, que tu prennes place. Parle-nous. Car tu connais nos problèmes, tu connais les problèmes de tout et chacun de nous. Ici, parce que tu auras des vous, tu auras des vous, Seigneur. Tu dis que là où Dieu soit, il y a ton autre est là. Nous saluons ta présence. Nous saluons ta présence, Jésus. Nous saluons ta présence, Seigneur. Et Seigneur, et la mettre, et la persécuter. Tu mérites tes acclamations de ton peuple. Tu mérites tes acclamations de tes enfants. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons continuer avec notre thème pour parler de l'évangélisation. On parlait de témoigner Christ. La fois passée, nous avons lu dans le livre de Jean 20, là où, à partir du verset 19 à 23, là où on va bosser tout d'abord. Dans la verset 19 à 23, là la Bible nous dit, Jésus est apparu parmi les disciples. Il a dit un mot. Ce qu'il a dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. On a beaucoup parlé des envoyés. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. La fois passée, on a dit quelque chose qui était très important. Donc, c'était la période de Pentecôte. Ils étaient enfermés, les disciples étaient enfermés dans la chambre. Parce qu'ils avaient peur. C'était après la résurrection de Christ. Jésus était mort. Il était ressuscité. Mais ils avaient peur. Ils étaient enfermés. Parce qu'ils ont vu comment Jésus était flagellé. Comment Jésus était cloué. Ils ont eu peur. Ils étaient paniqués. Ils sont enfermés dans la maison. Il y a dit que Jésus est à Paris. Quand Jésus est à Paris, il a fait monter les signes. Que je ne suis plus mort. Je suis vivant. Et il a dit quelque chose. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Parce qu'il a compris qu'ils avaient peur. Ils étaient bouleversés. Ils avaient la panique. Il a dit que la paix soit avec vous. La deuxième chose, il a soufflé sur les disciples. Il a dit que recevez le Saint-Esprit. Toujours en disant que non, allez, prêchez la parole. Maintenant qu'il avait soufflé sur eux, ils n'étaient pas partis, ils étaient toujours là. Et parce qu'ils attendaient la promesse, après il dit encore, vous n'allez pas quitter si vous resterez ici. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. Et quand le Saint-Esprit viendra, quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons dit que le Saint-Esprit en nous, donc c'est la liberté. Ça nous rend libre d'aller partout, de prêcher la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai dit encore, quand Dieu nous envoie, quand Jésus-Christ nous envoie, il nous donne trois choses. La première chose, c'était de
l'équipement. On a parlé de l'équipement. On dit que le Saint-Esprit, toi es rempli du Saint-Esprit pour aller. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour aller témoigner Christ. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour aller prêcher la bonne nouvelle. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour avoir le discernement. La deuxième chose, il va te donner le mandat. Quand on dit le mandat, c'est l'autorité, c'est le pouvoir. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. La troisième chose, c'est la provision. Si on n'aura pas le temps, même prochainement, parler de ça. Mais aujourd'hui, nous allons parler des mandats. Dieu nous a envoyé. Christ nous a envoyé. Mais Dieu aussi dans l'Ancien Testament. Dieu dans l'Ancien Testament, il a envoyé aussi et les prophètes, les hommes de Dieu. Dieu les a envoyés. Il les a mandatés parce qu'ils avaient des mandats. À titre d'exemple, parlons de Moïse. Moïse avait écouté Dieu dans la buisson ardente. Donc il a entendu la voix de Dieu. Dieu qui lui dira, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu comment est-ce que Pharaon les oppresse. Je suis descendu pour délivrer mon peuple. Je t'envoie Moïse. Moïse n'était pas parti comme ça. Il a posé des questions. Et quand je vais aller, quand ils vont me demander qui t'a envoyé, qu'est-ce que je dirai? L'Éternel lui dira, tu diras que c'est Jésus qui m'a envoyé. Jésus qui m'a envoyé. Bien aimé, notre Dieu Jésus, notre Dieu ne passera jamais. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement, le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous prions, le Dieu qui nous a appelés, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement, il ne changera jamais. Il a dit à Moïse, dis au peuple d'Israël que c'est moi je suis. Moi j'avais, j'étais envoyé. Il a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il a dit que j'ai le bâton. C'est ça le mandat. Moïse a dit, je ne sais pas parler. Il a dit que j'ai mis Aaron à ton côté. Il sera pour toi prophète. Mais toi, tu seras le Dieu devant Pharaon. Dieu ne va jamais qu'à une personne cet après-midi. Tu es le Dieu devant Pharaon. Tu es le Dieu devant tes ennemis. Tu es le Dieu devant les sorciers de ta famille. Tu es le Dieu devant tes adversaires. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Marche avec ta tête haute. Parce que tu es un Dieu puissant. Un Dieu vivant. Et que ça ne change pas. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il dit à Moïse, il est vivant. Que Jésus m'a envoyé. Jésus m'a envoyé. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Aujourd'hui nous allons parler encore d'une autre personne. Un envoyé de Dieu. Bien aimé, la Bible nous dit que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Les choses qui passent dans l'Ancien, qui sont passées dans l'Ancien Testament, sont aussi pour notre instruction. Dieu avait envoyé les prophètes. Il a envoyé les gens. Il a envoyé les hommes de Dieu. Mais il y a quelque chose qui se passe. Toi aussi tu es un envoyé de Dieu. Jésus-Christ aussi t'a envoyé pour aller briser toutes les chaînes dans ta famille. Pour aller libérer aussi ta famille. Mais si tu es distrait, si tu es toujours charnel, quelque chose va se passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Prenons tout d'abord un roi. Un roi 13.
Donc c'est très long, mais on va couper. Donc je vais relater l'histoire. On va mater mon cœur. J'ai amené cette version parce que ça c'est clair. On va bien comprendre ici. 1 roi 13. Nous allons commencer donc à partir du verset 1er. Écoutez, moi je vais lire. Donc j'ai pas assez de verset. Ça aussi c'est bien. Mais ici qu'est-ce qu'on a dit? Or, un homme dédié arrive de Juda à Bethléem, à Bethel sur l'ordre du Seigneur. Jéroboam est en train de faire brûler de la sens sur l'autel. Alors le prophète se met à crier cette parole du Seigneur contre l'autel. Autel, autel, écoute ce que dit le Seigneur. Un garçon va naître dans la famille de David. Il s'appellera Josias. Sur toi, il offrira en sacrifice des prêtres de lieux sacrés, là où il faisait brûler de l'encens. Sur toi aussi, on brûlera des eaux humaines. Ce jour-là, l'homme de Dieu prévient Jéroboam de ce qui va arriver en disant, l'autel va se casser et les cendres grasses qui sont dessus vont tomber par terre. Ce sera la preuve que c'est bien une parole du Seigneur. Jéroboam attend la parole que l'homme dédié a crié contre l'autel de Bethel. Alors il lève les bras au-dessus de l'autel et il crie, arrêtez cet homme. Mais les bras qu'il avait levés contre lui restent en l'air paralysés. Et il ne peut plus les ramener à lui. Vous voyez cette version? C'est très clair. C'est pour ça que j'ai amené ça. Donc, la mère reste comme ça en l'air paralysée. Et il ne peut plus les ramener à lui. Et puis après, la cinquième version dit, l'autel se casse. Et les cendres qui sont dessus tombent par terre, comme le prophète l'a annoncé sur l'ordre du Seigneur. Alors le roi dit à l'homme de Dieu, je t'en prie, demande au Seigneur ton Dieu de calmer sa colère. Prie pour moi, pour que mon bras guérisse. Le prophète prie le Seigneur et le roi peut ramener à lui son bras qui revient comme en avant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison pour reprendre les forces et je vais t'offrir un cadeau. Mais l'homme de Dieu répondit au roi, même si tu me donnais la moitié de tes biens, je n'entrerai pas chez toi. Je ne mangerai pas de pain et je ne boirai pas de l'eau ici. En effet, le Seigneur m'a donné cet ordre. Je ne mangerai pas de pain et tu ne prendras pas le même chemin qu'en venant. L'homme de Dieu s'en va donc par un autre chemin. Il ne prend pas celui qui l'a amené à Bethel. Prenons le verset 11. À Bethel, il y avait un vieux prophète. Là, c'est notre problème. Nous sommes des envoyés. Il y a aussi un vrai prophète, un vieux prophète qui est là. On ne dit pas que, ici on dit un vieux prophète. Un vieux prophète. Ses fils veulent lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait à Bethel ce jour-là et ce qu'il a dit au roi. Alors le père leur demanda, il est parti par quel chemin? Ses fils vont voir quel chemin il a pris pour rentrer à Juda. Ensuite le père leur dit, préparez-moi mon âme. Les fils les préparèrent. Et leur père monte sur et dessus. Il suit l'homme de Dieu. Et les rattrapa assis sous un grand arbre. Le vieux prophète lui demande, Est-ce toi l'homme que Dieu? Est-ce l'homme que Dieu t'a envoyé en Juda? L'homme de Dieu répondit, oui, c'est moi. Alors, le vieux prophète lui dit,
viens manger chez moi. Mais l'homme de Dieu répondit, je ne peux pas venir avec toi, ni entrer chez toi. Je ne dois rien manger, ni rien boire à Bethel. En effet, le Seigneur m'a dit, tu ne mangeras pas de pain et tu ne boiras pas d'eau. Et pour rentrer chez toi, tu ne prendras pas le même chemin qu'en avant. Mm-hmm. Alors le vieux prophète, le vieux homme qui lui dit, moi aussi je suis prophète. Moi aussi je suis prophète comme toi. Oh, un ange m'a parlé aussi de la part du Seigneur. Il m'a commandé de te ramener chez moi pour manger et boire. Mais il ment. Oui. Dans cette version, dit, mais il ment. Donc, à son consacre, l'Éternel m'a dit de te ramener chez moi. Oh, il ment. Pourtant, l'homme de Dieu rêvait à Bethel avec le vieux prophète. Il mange et il boit dans sa maison. Pendant qu'ils sont en train de manger, le Seigneur adressa maintenant la parole au vieux prophète de Bethel qui a ramené l'homme de Dieu chez lui. Alors le vieux prophète commence maintenant à prophétiser. Le vieux prophète dira maintenant, Dieu commence à parler au vieux prophète. Hein? Comme tu as désobéi à ma parole, tu es rentré et tu as mangé à Bethel, tu mourras. Si nous comptons parce que nous avons le temps, donc on va voir. Donc prenons directement le verset 26. Donc pour bien expliquer, le verset 26. Non, prenons à partir de 23. Après qu'ils ont mangé et bu, le prophète commence maintenant à prophétiser. Le verset. Dépassant voir ce qu'on. Je vois là où il était mort. Non, à partir de. Donc, tu es revenu à Bethel, manger, boire tout ça, donc, et on ne mettra pas ton corps. À partir de 23. Après qu'ils ont mangé et bu, le vieux prophète prépare l'âne pour l'homme de Dieu qu'il a ramené à Bethel. Et celui-ci s'en va sur la route. Il rencontre un lion qui le tue. Son corps reste étendu sur le chemin. L'âne reste à côté de lui et le lion aussi. La chose grave. Normalement, si un lion déchire, ou bien un lion tue quelqu'un, cela veut dire qu'il a faim. Normalement, il doit te dévorer. Mais dans cette histoire, dans ce verset, l'homme de Dieu est mort. Le lion n'a pas même touché ni le lion et ni l'homme de Dieu, ni l'âne. L'âne était à côté, l'homme de Dieu à côté, et puis le lion aussi à côté. Il n'a même pas fouillé, il était là. Là, nous allons développer. Commençons au on parle toujours des envoyés. Nous sommes des envoyés de Dieu. J'ai donné même la définition. Qui est un envoyé? Si Dieu t'envoie, il te donne une mission. Celui qui est envoyé, il est censé d'accomplir une mission. Quelle est la mission là que Dieu t'a envoyé? Tu es né pour accomplir une mission. Tu es né pour accomplir une mission. Mais pour aller accomplir la mission, tu ne peux pas aller comme ça. Même les mondes, ceux qui sont dans le monde, ils ont besoin de l'équipement. Quand nous parlons de l'équipement, ça veut dire support spirituel. Quand on parle de support spirituel, ça veut dire. Donc en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit.
Même si nous marchons, nous, tout ce que nous faisons avec ce corps, mais l'esprit, c'est l'esprit qui émane de notre physique. Voilà pourquoi même on voit les gens, donc les mondains, ils entrent dans les loges. Il cherche le support. Quand j'entre dans le Maïkari, quand j'entre dans les roses, donc j'aurai une force. Comme j'ai de l'argent, je travaille donc dans les bureaux là, donc je gagne bien. Pour que je sois intouchable spirituellement, donc je dois avoir le support. Il touche des trucs là. Mais nous, les enfants de Dieu, notre support, j'ai dit que notre équipement, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous protège. Comme nous sommes nés pour accomplir une mission, Dieu nous met, nous donne aussi les mandats. Si nous donne les mandats, ça veut dire que nous sommes devenus les intouchables. Si tu as les mandats, tu as l'autorité. Par définition, qu'est-ce que signifie mandat? Quand on parle de mandat, c'est l'autorité. Avoir le pouvoir. Un pouvoir légitime. Un pouvoir réel et libre d'agir. Un pouvoir de posséder, de contrôler. Un pouvoir d'utiliser et de disposer quelque chose. De disposer de quelqu'un, de disposer de quelque chose. Le mandat. Le pouvoir. Voilà pourquoi Christ dira. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Dans les cieux. Sur la terre. Sous la terre. Tout pouvoir m'a donné. Christ se dira encore. Dans les livres de Luc. Je voyais Satan descendre comme un éclair. Mais je vous ai donné le pouvoir. De marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Dieu nous a donné l'autorité. Dieu nous a envoyé. Il nous a donné le mandat. Cet homme de Dieu, il était mandaté pour aller à Bethel, aller détruire les hôtels. Parce que Jéroboam était dans l'idolâtrie. Il prenait les prêtres qui n'étaient pas de la famille de Lévi. Il les amenait dans les temples pour brûler la sens, pour faire des sacrifices. Alors cela ne déplaît à Dieu. Dieu n'était pas content. Voilà pourquoi il a envoyé cet homme. Le jeune prophète est parti. Mais il y avait des instructions. Dieu lui a donné les instructions. Parce qu'il avait une mission. C'est ce qu'on appelle une mission difficile. C'est une mission difficile. Je vais dire à une personne. Dieu t'envoie aussi. Dieu te donne une mission difficile. Surtout dans ta famille. Surtout dans ta famille. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever pour aller briser les hôtels. Les hôtels qui te réclament. Les hôtels qui te réclament nuit et jour. Qui commencent par les arrière-pères. Tes grands-pères. Tes grands-parents. Donc il y a des maladies qui sont des hôtels. Parce que maman est morte. À cause de l'AVC. Papa aussi est mort. À cause de l'AVC. À cause des diabètes. Toi aussi. L'hôtel te réclame. L'hôtel te réclame. Et demain aussi. Tu pourras aussi. Si tu as l'AVC. Si tu as le diabète.
sur le fait de ce maladie, toutes les maladies familiales, parce qu'il y a des maladies familiales, ce sont des maladies qui viennent à partir de la famille, ce sont des maladies qui viennent à partir de la lignée familiale. Le diable a déjà arrangé ça. Mais Dieu te dit aujourd'hui, Jésus-Christ t'envoie, il te donne le mandat, il te dit ne crains rien. Lève-toi, va à Bethel, va détruire tous les hôtels là qui t'énervent, tous les hôtels là qui te réclament, qui réclament ta famille, qui réclament tes frères, qui réclament tes soeurs, qui réclament ta maman, qui réclament ton père, tes tantes, qui est ta voix. Il te dit, lève-toi, va détruire tout ça, va détruire. Est-ce que tu es capable d'aller accomplir cette mission? Est-ce que tu es capable d'aller accomplir cette mission? Dieu te dit seulement une chose, obéis à toutes les instructions que je t'ai données. Tu vas obéir. Il ne faut pas écouter les vieux prophètes. Parce que la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on attend. La foi vient de ce qu'on attend. Ce que nous devons attendre, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Si tu écoutes la parole des prophètes, surtout les vieux prophètes, les vieux prophètes, c'est pour te conduire à la mort. Mais tu as une mission, bien-aimé. Tu as une mission, ma soeur. Tu as une mission, mon frère. Parce que tu es homme de Dieu. Tu es femme de Dieu. Dieu te dit maintenant, lève-toi. Va avec elle. Va tout détruire. Va tout détruire. Comment tu vas les détruire? Lève-toi dans la prière, bien-aimé. Lève-toi dans la prière. Je n'ai plus envie de ton administration. Je n'ai plus d'entendre de bouger n'importe quoi. Oh, il m'a dit ceci, cela. Je ne veux plus aller à l'église. Je ne veux plus prier. Je n'ai plus le temps. C'est le temps de s'élever. De s'élever dans la prière. Pour chercher la face de Dieu. Pour briser. Parce qu'il y a des hôtels qui nous réclament à partir de nos familles, à partir de nos amis. Mais je vais te dire une chose, la Bible te dit quelque chose pour te fortifier, pour que tu aies courage. La Bible nous dit, il a dit que je ne vais plus attendre ces prophètes en Israël. Que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Non, Dieu a dit, je ne veux plus entendre ce prophète. Parce que l'âme du Père m'appartient. L'âme du Fils m'appartient. Mais écoutez bien aimé. Écoutez-moi dans Zambé. Yoka ne va pas toko. On ne va pas dire qu'il soit au plan au fortifio. Dieu dira, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Quel est pas ton cas? Quel est le Christ? Tu es déjà effacé. Tu n'as plus de séduire. Tu n'as plus de la maison de Dieu. Tu es là avec la Dieu. Tu es pas mis à part. Tu es mis à part, bien aimé. Tu es mis à part. Là, la malédiction de la famille, ce n'est pas pour toi. Si maman est honte, à cause de la vérité, tu l'as passé. Moi, je vais guérir. Je ne vais pas me battre. Je vais vieillir. Je vais mourir. Pas de serrer bien. Et moi, je vais envie des années. Et là, je vais dire, laisse-moi partir. Le Seigneur là, le Seigneur là, ne m'amènera pas. Parce que je ne suis pas dans ces hôtels. Je ne sais pas briser. Parce que ce qui est à moi est plus grand. Celui qui est à moi est plus grand. Celui qui est à moi est plus fort. Et celui qui est dans ce monde. La Bible me dit aussi, même si nous sommes dans le monde, même si nous vivons dans ce monde, mais nous sommes en train de faire que nous combattons. Ne sommes pas jamais. Ne sommes pas jamais bien-aimés. Ne sommes pas avec qui nous combattons. Sont spirituelles, sont puissantes par la vertu de Dieu. Par la vertu de Dieu.
Nous renverser les forteresses. Prophète, Ben Soto,
Amen. A comme ancien combattant. Ancien combattant ne combat plus. Ancien combattant, on s'en fout d'ailleurs au bout de tout. Ancien combattant est tout bas. Ancien combattant, on s'en fout d'ancien combattant. Oh, ça c'est mon temps. Laisse-moi travailler avec mon Dieu. Laisse-moi combattre. Laisse-moi prier pour mon Dieu. Laisse-moi venir à l'intercession. Laisse-moi prêcher la parole de Dieu. Parce que c'est mon temps. C'est mon temps. Laisse-la à côté. Je ne mangerai pas avec toi. Je ne mangerai même pas dans ta maison. Parce que mon Dieu m'a dit. Non, je ne peux pas manger avec toi. Parce que tu es déjà déchu. Parce que tu es déjà à côté. Laisse-moi travailler. Laisse-moi accomplir ma mission. Je suis là pour accomplir une mission. Je suis là pour accomplir ma mission. Avant de rentrer, super. Je dois accomplir ma mission. Je commence par ma famille. Je viens à l'église. Je vais jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que Jésus me dit. Allez. Allez. Faites de toutes les nations mes disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. C'est ça ma mission. Je ne pas d'aller dévorager les gens. Pas d'aller tuer les gens. Je viens. Je te parle, je te parle. Mais tu deviens déchu. Pourquoi nous me dire, hé, maman, moi, je suis dit, hé, puis, hé, pourquoi nous allons te ramener? C'est que nous allons te ramener. Je suis fatigué. Il y a déjà déchu. Il y a déjà déchu. Assez long au salaté. Si vous faites un lieu, vous êtes dans la semaine. 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 Yes, il y a un couvain, il y a un poste de l'air pour moi. Nous devons être très prudents. Parce que l'air est grave. L'air est grave, bien aimé. Nous devons nous lever. Nous devons être de conscience. Ce n'est plus le temps de nous lier avec nous avec la tête. C'est le temps de nous réunir. Parce que les diables se réunissent sur les diables. Les acolytes se réunissent pour nous combattre. Mais nous, les enfants de Dieu, si nous voulons toujours des divisions, nous devons continuer à devenir frères. Si nous voulons être forts, si nous voulons être forts, nous devons être unis. Donc, dans l'unité que nous allons combattre les diables, c'est dans l'unité que nous allons combattre les vieux prophètes, c'est dans l'unité que nous allons la victoire. Parce que ça, les noms, nous allons pas faire. L'unité à nous, l'unité à nous, ça c'est notre victoire, ça c'est notre gloire. Nous devons nous élever. Le vieux prophète est venu. Le vieux prophète est venu chez les jeunes prophètes. Il a amené la maison. Allez, nous allons manger. Parce que Dieu m'a dit que nous allons manger ensemble. Et à même instant, la vraie prophétie tombe. Tu seras, donc tu vas mourir. Parce que tu as désobéi. Mais nous devons faire attention. Nous devons avoir des distributions. Diable, nous avons dit que tu as un peu de temps. Satan ne peut pas te laisser pour que tu partes. Tiens, ma foule, pour nous, nous continuons. Quand tu vois que vraiment tu es en train de persévérer. Mais moi, il y a un côté là. Est-ce que c'est quel est passé? Donc, je vais voir. C'est quel est maintenant? C'est combien? 7 minutes. Dans 5 minutes, 15. Ça va. Bon, je suis prêt à la fin. Amen. Non, je suis prêt à la fin. J'ai dit que nous devons être très prudents. S'il y a envie de faire, donc de travailler pour ton Dieu. Ce qui peut ça n'a pas ça à cause là. S'il y a envie d'accomplir ta mission. On a pas ça penser pour qu'on quitte sa mission là. Mais le vieux prophète est plus grand. Bakao ya kala masala kawana. Comment tu peux prendre ma comment tu t'en bien? Dis-moi pas que là-bas vraiment les choses ne marchent pas bien. Pourquoi nous sommes ici? Mais pourquoi tout le temps tu es là? Mais tu vas y faire quoi? Mais tu vois pas qu'il y a tel, on ne sait pas. Tu vois que j'ai rencontré quelqu'un qui parlait de toi. Alors ils ont dit que toi aussi tu écoutes. Et puis on fait une pénalité. Et puis tu es là, tu restes chez toi. Mais tu sais quand tu restes chez toi. Mais elle est en train de venir. Elle est en train de venir. Mais quand tu es dans la maison. Mais les gars vont non, donc tu n'as plus la chaleur. Mais là, Satan a la conversion. Il vient encore, il a pris sur toi, il te donne encore, 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 il
D'aller détruire tous les hôtels. D'accord, qu'ils s'élèvent contre ta vie. Amen. Tu as une mission. Tu as une mission. D'aller témoigner Christ. D'accord, qu'ils ne se sentent pas ça. Jésus qui vient bientôt. Il a dans sa main la rétribution. Il va la rétribution, il a la récompense. Il va donner à chacun selon son travail. Et là, si que ceux qui ont couffi déjà, ça montre si tu meurs déjà. De quoi ne l'accité que oh non, baboyal, purgatoire, parce que c'est la loi de Paul. Ne pense pas que non, tu es maintenant dans le purgatoire. Moment où ça n'a pas bon. Le moment où tu es vivant. Moment où bon ça récompense. C'est le moment où vraiment de bien arranger ta récompense. Moment où ça n'a vie. Le moment où tu es vivant. À côté les c'est le moment de s'élever pour que tu prépares ton chemin. Parce qu'on ne sait pas. Papa a prêché. Pour que on ne sait jamais. Et que nous marchons avec la papa, mort. Papa, il est prêché. On se réveille avec ça. On peut dormir avec ça. On se réveille avec ça. Mais si tu es en Christ, tu es en Christ. Amen. Donc c'est l'assurance. Parce qu'il est en Christ, donc la mort pour moi m'était gain. Ça c'est la mort naturelle. Amen. C'est pas la mort là, il dit que les hôtels qui nous réclament. Non, c'est la mort naturelle. Nous devons nous élever. Et c'est que nous devons tellement continuer pour accomplir nos missions. Mission mettons-nous debout, nous allons. Nous avons fait le Seigneur 5 minutes. Qui connaît ton problème? Qui connaît le problème de ta famille? Qui connaît le problème de ta santé? Qui connaît le problème qui te tourmente? Qui connaît le problème de ton foyer? Va faire quelque chose qui ne va pas. Voici le moment. Tu n'as que 5 minutes. Pour prier à Dieu. Pour briser toutes les chaînes. Pour briser les hôtels là qui se contre toi. Pour briser les fortes qui se lèvent contre toi. Tu as des problèmes avec tes frères. Des problèmes avec tes soeurs. Les soeurs ne se marient pas. Si se marient aujourd'hui, après un enfant, deux enfants, il rentre à la maison de la famille. Les garçons ne travaillent même pas. Ils ne se marient pas. 50 ans, 60 ans, ils sont toujours dans la maison. Ici, on a dit hôtel maman. Donc, il ne se déplace pas. Il y a des maladies. La maladie, c'est ce que j'ai dit. Il y a des maladies familiales. Il y a des folies. Il y a des diabètes. Il y a l'hypertension. Des AVC. Toutes sortes de ces maladies. Ce sont des choses qui nous réclament. Que nous devons nous lever. Que nous allons prier. Pour les briser, pour que nous soyons libres. Il y en a d'autres familles. Donc il y a des types de mariés. Mais il y a toujours la stérilité. Tu n'auras pas d'enfant. Donc il faut se lever. Il faut briser toutes ces chaînes. Il y a d'autres. Tu es une jeune fille. Mais tu ne maries même pas. Donc tu es toujours là. Donc nous devons prier. Pour que Dieu puisse nous libérer. Tu dois prier pour ta famille parce que tu as cette mission là. Tu connais le problème, la situation de ton frère. Tu connais la situation de ta soeur. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Commence à briser. Commence à briser tous ces chaînes. Commence à briser tous ces hôtels. Commence à briser tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Dieu. Merci Seigneur, merci Elohim, merci Jehovah Jireh, merci Jehovah Shammah, merci Papa, pour tes petits missions, pour tes petits missions, tu as de la mission, tu as de la mission, d'aller détruire les hôtels,
d'aller détruire les forteresses, tout ce qui confesse notre nom, tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous bloque, tout ce qui bloque nos familles, nos frères et sœurs. Au nom de Jésus, bienvenue à vous, bébé. Tout ce qui est du premier livre, qui bloque jusqu'à présent, les frères et sœurs, au nom de Jésus, tout ce qui est des séculaires, tout ce qui est des célibats, tout ce qui est des divorces, vous comprenez, dans le nom de Jésus, les malades du Père, tout ce qui n'est pas de toi, même la poubelle, la corbe de Jésus. Pour le mieux sur l'échec, pour le mieux sur la pauvreté, je me suis dans le nom de Jésus, je vous prie la victoire, nous prenons la victoire dans le nom de Jésus, car la Bible nous dit, Christ à nous, et nous prenons la victoire. Merci Seigneur, que c'est toi notre victoire. Merci Jésus, pour te donner la victoire. Jesus.